Hey, salut à tous, c'est Mister David et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle map de type puzzle. Il s'agit d'une map qui s'appelle The Teleporter, une map faite par Ricky C avec l'aide de Alicia C. Peut-être qu'ils sont de la même famille, je ne sais pas, c'est peut-être une coïncidence. Bref, stay in adventure mode. Oui, alors là je ne suis pas en aventure, je pense que ça va me le mettre quand je vais cliquer dessus, on va voir. Ouais, voilà, c'est bon. Alors, en gros, il y a des puzzles à faire, voilà. Et à chaque fois, faut aller là-dedans, si j'ai bien compris, hein. Après, si j'ai pas compris, tant pis. Alors, la Red Keystone peut être placée sur de l'or, un petit livre, un autre machin, et ça peut être placé sur de l'or aussi, la Blue Keystone. Ok. Faut pas tomber, hein. De l'or. Ah bah là, juste. En tout cas, bon, attends, on va lire. Alors, bravo pour avoir acheté le Red Keystone Teleporter. Ce manuel va vous aider à utiliser. Ne pas placer n'importe quel VKT près d'un micro-ondes. Vous allez être mis dans une bêta, nanana. Blablabla. Oh là là, attends, il y a trop à lire là. Voilà, les clés utilisées sont rouges, jaunes et bleues pour téléporter les joueurs entre les différents VKTS. Chaque Keystone combinaison correspond à un différent VKT. Il y a deux Keystones pour chaque de chaque couleur donnée avec vos machins. Il y a neuf combinaisons de clés. Trois utilisent deux Keystones de la même couleur et les six autres utilisent deux couleurs différentes. L'ordre des clés compte. Red Blue and Blue Red, c'est deux combinaisons séparées, pour exemple. Faut placer les Keystones sur les Golden Slots et après rentrer dans le téléport. Les clés vont être redonnées. Une fois la téléportation effectuée. Non. Question de lui retourner to the user. Oui, voilà. Les clés ne peuvent pas être éjectées, juste téléportées quelque part d'autre, et les questions vont retourner au joueur. Si vous avez été téléporté au bêta VKT identifié by an Iceland with stone monument, donc identifié par une île avec des monuments en pierre, vous allez être bloqué dans le machin. Le seul moyen de retourner sur son propre set est de faire yellow yellow. Celui qui est une, c'est la combinaison de sécurité. Si vous n'avez pas les deux clés jaunes, juste trouver local item between quand toutes les clés sont trouvables quelque part sans le set. Le tech support ne peut pas vous aider. Non, oui. Hein. Alors, la bêta VKT, set happens to be located in dead zone. Ok. Bref. Et ça, c'est quoi? This is a notebook for you take note in use if... Ok, si on a besoin de prendre des notes, on peut. Bon, allez, on place les deux clés, on passe dedans et... Ah non, mais ça, c'est l'endroit où on est, d'accord. Donc en fait, on inverse. On veut aller ailleurs, nous. Voilà. Et là, on est sur un autre endroit. Ok, bon, on se balade. C'est joli. Clear. Ça fait quoi ça? Ok, bon, on va essayer de comprendre, hein, gentiment, mais sûrement. Pourquoi il y a ça? Je pensais qu'il y avait quelque chose caché en dessous, mais visiblement pas. On va aller voir la sorte de maison. Enfin, on va aller voir un peu partout, de toute façon, on va se balader, essayer de comprendre ce qui se passe. Briser de puzzle, hein. Placer sur le devant d'un bloc pour le faire dropper. Genre si on fait ça. Ah. Et si on fait ça va le faire tomber? Ok. Pourquoi pas? Et si on faisait... Non, on peut pas... New item frame. Ok. Turn counter close. What? Ah! Ah, my god! Ah, my fucking god! Donc là, on pourrait faire tomber le vert et le bleu. Peut-être le bleu. Non, peut-être le vert. Non. Encore tombé une fois, voilà. Là, on va faire tomber le bleu. Et ça, c'est pour tourner dans l'autre sens? Ok. Allez, le bleu. Pif! Réfléchissons. Il va falloir être malin, en fait, dans ce petit puzzle, n'est-ce pas? Il va falloir comprendre les différents éléments clés de ce puzzle. Par exemple, là, voilà. Ça, on peut le faire tomber. C'est pas bien grave, parce que du coup... On tourne dans l'autre sens. Là, on fait tomber le vert.
on fait tomber le bleu, on tourne dans le contresens, voilà, et là, bim, on fait tomber le bleu. On tourne encore, on peut faire tomber le vert, pourquoi je fais, non, c'est pas ça que je voulais faire, en plus je sais pas ce que je fous. Voilà, je fais un boulet, là on peut faire tomber comme ça, voilà, on le fait encore tomber une fois, hop, on le fait tomber encore une fois, et... Ta-da-da-da-da-da. On a réussi. Alors, j'ai cru qu'il y avait une récompense dans le coffre, mais non, d'accord. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah là. Oh, on a une deuxième clé bleue maintenant. On peut faire du bleu bleu. Et là, il y a rien. Voilà. Donc maintenant, on peut faire du bleu bleu si on veut. J'ai pas compris le puzzle ici en dessous, en fait. À quoi ça servait de faire ça et tout. Bon, et si on fait clear? J'ai peur que si on fasse clear, ça reset le puzzle du haut. Non, c'est bon. Ok. Bon, on va essayer d'aller au bleu-bleu maintenant. De toute façon, on va falloir aller par étape, je pense, se balader de téléporte en téléporte. Et du coup, le bleu-bleu, hop là, on apparaît dans une nouvelle zone. Et ça, c'est cool. C'est quoi ce bloc-là? Je sais pas. Là, on peut monter. Là, bah là, on peut se téléporter, logique. Là, il y a une sorte de parcours, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas du parcours. Bon, on va essayer de monter, on va voir. Bon, pour l'instant, j'aime bien le concept, c'est sympa, voilà. Ça, c'est une petite map puzzle, oui, il va falloir réfléchir un peu. Moi, j'aime bien réfléchir, ouais. Comment on pourrait... Ah, il y a un coffre là-haut. Comment on pourrait faire ça? C'est là, on va devoir chercher. On peut pas appuyer sur des torches, non. On peut pas... Il n'y a pas des boutons secrets... Moi je pense qu'il y a un rapport avec l'eau, hein, en vrai. Je pense que si on bouche l'eau quelque part, ça va la... Ça va... activer un truc. Ouais, ça va activer quelque chose. Alors jaune-bleu... Jaune-bleu... Jaune-rouge... Jaune-rouge, jaune-bleu. C'est un peu l'inverse d'un autre. Le bleu fait face au bleu... Le rouge ne fait pas face au rouge, par contre. Est-ce qu'il faudrait pas retourner dans un ancien niveau? C'est, voilà, c'est toute la complexité de la chose. Il faut tout le temps voyager d'un monde à l'autre. Essayer de comprendre ce qui se passe. Voir s'il n'y a pas une solution quelque part. Genre, est-ce que si je prends l'eau et je remonte l'eau? Tout bêtement. Il n'y a pas quelque chose de caché là-haut, non? Voilà, si je vais par là. Non. On voit l'eau au plafond. Ici non plus. Ok. Aïe. Ça c'est pas mal du tout. Et si je retourne là, ça fait rien parce que j'ai pas mis de clé. Ok, mais on peut par exemple retourner au rouge bleu. C'est le premier rouge bleu, non? Non, c'est celui de l'arbre, ça. Et merde. Donc le bleu rouge plutôt. On va retourner au tout premier. Hein. On va voir ce que ça fait. Ok. Là par exemple, on pourrait marquer bleu, rouge, égale, premier niveau. Rouge, bleu, égale, niveau arbre. Enfin, on va marquer arbre, tout simplement. Comme ça, on se rappelle, c'est bien. Et le bleu, bleu, égale, temple, désert, avec eau. Voilà. Là, on est bien. Bonne. Voilà. Hop, là, on se rappelle. Donc, du coup, si on retourne au bleu, bleu, parce que ce plan, c'est le bleu, bleu, là. Là, faut qu'on trouve la solution au bleu, bleu. Donc. Là, il y a 4 trucs. Là, il y a 4 trucs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On peut les monter comme j'ai fait juste avant. Alors, on était monté de l'autre côté. On va essayer de monter de celui-là, peut-être. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Hein. Moi, je vois juste de l'eau et tout. Il y a rien de spécial. Ouais, on va essayer de remonter, plutôt. Ça sert à quoi, par exemple? À rien. Là, on monte. On peut grimper l'eau aussi, en fait, ici. J'avais oublié, mais on peut grimper ici pour l'eau. Et là, on peut très bien encore grimper ici. Eh hé! Sauf que là, il y a l'air d'y avoir un plafond, en fait. Ouais. On va mourir. Ça tout fait. De l'air! Ok, c'est bon. Essayons de réfléchir.
Les symboles sur les murs, est-ce qu'ils veulent dire quelque chose? Non. Moi, allez, ce qui me perturbe, c'est ça. Et on peut pas poser un rouge là-dessus, non. C'est seulement plaçable sur des blocs d'or. Ok, ça, on a compris. Il faudrait ces machins là. Bleu, jaune, machin. Il y a un coffre là-bas, je ne comprends pas. Voilà, je suis déjà perdu! Et l'eau, elle descend par ici. Mais ça ne sert pas à grand-chose. On va refouiller tous les coins. Voir si on n'a pas oublié quelque chose en haut, en bas. Voir si on voit pas un petit truc secret. Il n'y a pas quelque chose par là, on peut pas appuyer, non. Non, on peut pas. Il n'y a pas un bouton caché. Ça, on a bien fouillé déjà. Aller là-haut, ça ne nous servait pas à grand-chose, il me semble. Je vais retourner voir un coup quand même, au cas où. Ouais, non, là, on est plus ou moins inutile. Il n'y a pas des blocs d'or ici, non. Moi, j'ai envie de bloquer les eaux, mais... Ou alors, c'est peut-être le monde de l'arbre. Pour retourner au monde de l'arbre, parce qu'il y avait encore un puzzle qu'on n'a pas élucidé dans le monde de l'arbre. On le sait qu'on n'a pas élucidé le monde de l'arbre. Ah, mais... Attendez. Merde. Boulet! C'est pas grave, je remonte. Regardez. Enfin, sable rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. Rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. On va essayer de retourner. Alors, le monde de l'arbre, c'est rouge, bleu. On va retourner au monde de l'arbre, parce que là, j'ai une idée. Parce que nous, avant, on a fait clear, on a appuyé sur des trucs. Voilà, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. On va essayer d'appuyer sur les 5. Hop. 2. 3, 4, 5. Voilà, maintenant qu'on a appuyé sur les 5, on va y retourner. Parce que je pense que tout est lié. Et là, si on y va... bon, de l'eau coule des deux côtés, mais c'est en haut qui nous intéresse. Est-ce qu'on n'aurait pas créé une petite faille, un petit truc? Oui! On en a fait tomber un de chaque. Il n'y aurait pas moyen d'en faire tomber un deuxième, peut-être. Allez, on va retourner. Ouais, c'est compliqué, hein. Enfin, c'est compliqué. Faut juste trouver la bonne combinaison. Donc, rouge, bleu, on a dit, pour le monde de l'arbre. Tic. Non. Hop. Et on va essayer d'en faire tomber un rouge. Moi, je pense qu'on peut. Hop là. Donc là, en théorie, il devrait y en avoir deux. Ça nous permettrait d'aller chercher le coffre. En théorie. Oui. Par contre, faut y aller. Alors, bleu. Bleu. J'aime bien le système de téléporte. Il va falloir jouer entre les différents mondes. Ça va être plutôt intéressant, je pense. Non, moi, voilà, et là, il y en a un deuxième. Ok, bon, bah là, on est bien, déjà. Enfin, on est bien. On a réussi à atteindre le coffre. Et voilà, là, on a du jaune. Et maintenant, si on suit la logique, c'était quoi? Jaune, rouge. Et là, c'était rouge, jaune. Bon, on va essayer un autre monde. Maintenant, on a quatre nouveaux mondes, hein. On peut faire le bleu, jaune, jaune, bleu. Rouge, jaune, jaune, rouge. Voilà, donc, on va commencer par le... Bleu, jaune. Et on va noter ce que ça va nous faire parce que... Ok. Alors on va appeler ça ce monde. Donc c'était le... Non, pas celui-là. Bleu, jaune. Bleu, jaune égale mine. Voilà. Donc dans la mine, qu'est-ce que nous avons? On a un coffre qu'on peut pas miner. Parce qu'on peut pas le casser non plus. On est en aventure. On a du fer, du charbon. On peut pas aller par là. Par ici peut-être. Là on a du diamant carrément. On a des trous dans la map un peu dans les plafonds. Ah là on dirait une sorte de parcours. Merde. Oui alors moi les parcours des fois hein, ça fait deux. Voilà, hop, là, on va là. Et ensuite, ça nous sert à quoi d'aller là-haut? Il y a un coffre là-haut. On l'avait pas vu tout à l'heure. Mais pareil, on peut pas y accéder. Si on pourrait, ah, il faudrait sauter. Non. Ok. Là, c'est clairement pas faisable, j'ai l'impression. Comment on pourrait aller là-haut? Je ne sais pas. Mais il nous faut atteindre ce coffre à un moment. Il va falloir. Bon, on va visiter un autre monde. Donc là, on avait fait le bleu jaune. On va essayer l'inverse. Jaune bleu. Alors le jaune bleu, on va. Oh là là, on va l'appeler ça comment? On dirait un sous-marin un peu. Si j'appuie sur ces leviers, ça fait... Ah, 4. Ok, il y a des chiffres. 2, 1, ok. Bon, le jaune bleu, on va l'appeler sous-marin. Jaune bleu égale sous-marin.
Ou sous-marin aussi, on aurait pu l'appeler. Bon. Ah. C'est bloqué. Il faut une combinaison qu'on va trouver quelque part. On peut pas, je pense pas qu'on puisse faire au pif comme ça. Là, il y a un poisson, un autre truc. Ouais, c'est vraiment un sous-marin. Pourquoi il y a une barrière de l'autre? Il y a un bouton de l'autre côté. Peut-être que... Oh! What? Il y avait ce truc vert? Qu'est-ce qu'on a débloqué? Le coffre, peut-être? Non. On a débloqué quoi? Bon, on a appuyé sur un bouton. On savait pas à quoi ça servait. Mais c'est cool. Ah. Ah. C'est pour voir le dehors, ça? Ah! 1, 3, 5. Bon, on va essayer le 1, 3, 5. C'est tout ce qu'on nous montre. Parce que là, on le voit pas depuis là, c'est ça. Hein. C'est le... Allez, on voit le 1. Mais on voit pas... Ok, donc moi je dis 1, 3, 5. 1. 3. Et bah 5, il devrait être ici, voilà. Allez! Toujours bloqué? Mais on a débloqué le 1, d'accord. Et ensuite, faut faire quoi? On voit toujours les mêmes chiffres là-haut ou pas? Ah non, on voit pas les mêmes chiffres. On voit un 8? What? Attends. Je vais remonter par là. On a vu un 8? 8 fois 7. 56. Donc faudrait laisser le 5 et le 6 en haut. 5, 6. On va tester, hein. Merde, on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Bah si, on l'a jamais appuyé celui-là. Attendez. Ok, donc c'était l'inverse. Ah là là, boulet. Hop. Faut les laisser en haut, les leviers. Ting. Parfait. On va aller voir le troisième énigme. Alors, la troisième énigme. What? What the fuck? C'est quoi ça? C'est un arbre dans l'eau? Un arbre dans la Glowstone? Là, je suis perdu, hein. À moins que ce soit un jeu de mots, trui, le 3, du coup. Pff, si c'est ça. On active le 3, et on désactive les deux autres. Ok, c'est pas ça. Bon, j'y ai cru, j'avoue, pendant un instant, je me suis dit, non, c'est pas aussi débile que ça, le truc. On va essayer de rappuyer sur le bouton. Ok, ça ne fait rien. Donc ça devait être pour ouvrir la petite fenêtre en haut, un truc comme ça, je pense. Et c'est pour ça qu'on y a eu accès assez rapidement, mais... Je comprends pas, là. Ok, il nous manque une énigme, ici. Il y a beaucoup trop de combinaisons, hein. 6 x 6, 36, ouais. Enfin bref, il y a 1 milliard de combinaisons. Pourquoi ? Oui. Ah, attendez, on va réfléchir un peu. Qu'est-ce que ça pourrait être Alors peut-être le 1 parce qu'on voit un seul bloc de glowstone allumé. Ah, je sais pas, hein. Ou alors c'est un truc vu de dessus, dessous. Non, moi je voyais bien le jeu de mots trui, voilà. Mais apparemment il le veut pas. On va essayer le 1. Le 1 tout seul, quoi. Ou bien, truie, il y a 5 lettres. Je sais pas, non. T-H-R-E-E, donc ça fait 5. Mais non, mais 5, c'était... Ah non, avant, c'était 56. On les remonte tous, on active le 5. Non. Ah, bon, bah vous savez quoi? On va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. L'énigme, on la résoudra la prochaine fois, hein. Du coup, bah voilà, j'espère que cette petite map vous plaît, que vous allez la suivre, tout simplement. Je sais pas combien d'épisodes elle fera, je sais plus combien il y a d'énigmes, enfin, combien il y a de salles. En théorie, il devrait y en avoir 9. Donc, celle de départ, 8 énigmes, on dit environ.
une énigme dans chaque truc, bon, je suppose, hein. Bref, bah du coup, j'espère que ça peut-être pas vous plaît. N'hésitez pas du coup à lâcher un pouce vert, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne YouTube afin de manquer absolument aucune vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite pour la suite. Ciao !